J'ai les origines les plus élevées de la société haïtienne, mais j'étais un cancre. Et mon père s'est dit, la partie est foutue, il ne sera ni médecin, ni pharmacien, ni commerçant. Et je décide à un moment donné de quitter Port-au-Prince pour aller aux États-Unis. Et je pars étudier le design. En fait, j'ai fait semblant d'aller dans une école de design et je vais dans une école d'art. T'arrives tout seul Ah, tout seul, oui. Non, je vis très, très durement dans un petit hôtel à Broadway, tu vois, c'est comme ça. Et puis, mais je deviens un étudiant très brillant, très sérieux. En art. Donc, l'école me reproduit comme le meilleur élève de l'école, tu vois. C'était quelle école? L'Art Students League. Ah oui? Sur la 56e ou 55e, oui. C'est tout près, dans les quartiers chics de New York. Et ça marche très bien. Mon professeur m'adore. Il s'appelle Julian Levy. Il me donne des petits bouts de toile et comme pour m'aider. C'est un juif polonais. Hein, qui s'appelle Julian Levy. Et je deviens son meilleur élève, et puis c'est parti comme ça. Et là, le fait d'être haïtien ou métis, ça change quelque chose? Non, ça commence. Là, on rentre dans ton sujet. Trouver, malgré tout, j'habite un petit hôtel Minard à Broadway. Je vais ensuite à Brooklyn Heights, dans un quartier chic, mais c'est une petite chambre de bonne, et comme à l'américaine, c'est-à-dire sinistre, mais dans un quartier chic. Je me mets à chercher un atelier, un lieu de travail, ça, quasiment impossible. Je vais donc à Soho, le bas de New York, et pour moi, impossible de trouver un atelier. C'est là que l'état d'immigré racisé, pour employer un mot chic d'aujourd'hui, qui est un nouveau mot qui n'existait pas de mon temps, ça se développe. Finalement, je trouve quand même un atelier à Hoboken. Tu connais un peu? Non. C'est où? C'est à l'est de New York. C'est une petite ville allemande, mais à côté sur le East Side. Tu vois. Et là, c'est toujours le même problème. Impossible de trouver un atelier plus grand. Et avec tous les petits événements du racisme habituel, je décide, ma femme et moi, qui est haïtienne, de quitter New York. Et on remplit cette malle que tu vois qui est là. Tu la vois, la grosse là, près de mon lit? Tu l'avais montré la dernière fois, je crois que c'est de l'autre côté. Oui. Et on l'a rempli et on fout le camp. Et quand vous arrivez à Paris, vous êtes tout seul? Non, c'est pas facile. J'habite dans un quartier pourri qui s'appelle la Saint-Denis. Ouais. La rue Saint-Denis, tu sais, avant la gare du Nord et la gare de l'Est. Hein. Mais je commence, c'est là où je commence mon œuvre, hein, qui se développe très bien, tu vois. Dans une rue sordide, là où du Faubourg Saint-Denis. Tu vois ce que c'est, ça? Oui, c'est l'ancienne rue des prostituées. Les vieilles prostituées de 70 ans, avec qui je deviens copain. Mais là, tu trouves un atelier. Je trouve un appartement pourri, mais qui est plus grand que ceux que j'avais à New York, bien sûr. Et là, je commence à travailler sérieusement, tu vois. Et tu commences à rencontrer qui ou qui te... Pas tout de suite. Première année, t'es seul, c'est ça, pendant un an? Ah non, je suis tout seul. Je connais personne. Mais en même temps, c'est là que je deviens un peintre. Tu vois.
Et puis je commence à rencontrer la communauté latino-américaine. Paris, à l'époque, tous les artistes latino-américains sont à Paris. Ça forme une communauté immense. C'est bourré de Péruviens, de Chiliens, de Panaméens. Et là, on fait une grande exposition qui s'appelle l'exposition du Salon latino-américain. Et c'est là que des gens remarquent mon travail et que ça démarre. Mais toi, tu ne parles pas espagnol à l'époque ? Non, je ne parle pas espagnol, mais j'ai beaucoup d'affinité avec la communauté hispanique, tu vois. Et pourquoi les latinos viennent à Paris ? C'est un signe de l'époque, hein, parce que pour les latinos, Paris représente la liberté. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas toutes les dictatures latinos qui sont pléiades, hein. Et ils viennent à Paris pour la liberté, pour l'aventure. Ils sont tous là, hein, tous. C'est une immense, la communauté hispanique. Ils se font venir les uns les autres, grosso modo. Julio Le Parc, des gens comme ça, tu vois. Segui, tout le monde est là. Et moi, j'en profite, tu vois, puisque je suis le seul francophone là-dedans. Adopté, tu leur rends service. Je suis le seul qui profite réellement de tout ça. Et je deviens vite très connu, hein, très très connu, au bout de 2 ans. Ah oui, et tu démarres pas avec des artistes français, par exemple. Tes proches sont plus... C'est là que les artistes français viennent me trouver, en SIAC et les autres, tu vois. Ils viennent me dénicher là-dedans, tu vois, parmi les latinos. Le seul qui parle français. Oui, oui, j'étais le seul qui parle. Parce que les hispaniques avaient du mal. Hein. Ils ne parlaient pas français. Et là, quand tu es à Paris, le fait d'être noir ou métisse, est-ce que... Ah, j'imagine ça... Premièrement, ça... Ma couleur apparemment disparaît. Apparemment. Hein. Comment te dire? Où ça se... C'est au bout d'années que je vais comprendre que cette couleur, si tu poses la question du métissage, comment ça revient par la suite. C'est quand on commence à devenir plus connu, plus utile dans la société française, qu'on peut dire qu'un nouveau petit marquage s'installe. À savoir, j'ai formulé ça un peu bêtement, mais c'est un peu vrai, on passe toujours après. On n'est pas légitime, si tu veux. Mais tu vois, c'est un film par rapport à New York, hein, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et tu te racontes aussi que tu as été en lien avec l'âme breton. C'est après ou c'est... Un petit peu, mais c'est pas très important. Ils sont plus âgés d'abord. Ouais. Ce fameux salon latino-américain m'ouvre toutes sortes de portes. Premièrement, je rencontre un critique américain qui s'appelle John Ashbery, qui est un grand écrivain, tu connais un peu, qui apprécie mon travail, qui parle de moi dans le New York Times, dans des choses comme ça. C'est le Herald Tribune à l'époque, qui est le journal américain important. Et je rencontre... Alors, c'est l'autre découverte, c'est le surréalisme. Les surréalistes me découvrent dans ce fameux salon et commencent à s'intéresser à moi. Et c'est vrai que la peinture que je fais à l'époque est très marquée par les tropiques, par l'âme bata, et c'est des tableaux qu'on appelle des éclaireurs, que moi j'appelle des éclaireurs, et qui sont très appréciés par le milieu surréaliste. Voilà. Mais ça, tout ça, c'est... Et puis c'est une époque où la France, ou Paris pour un artiste, l'argent ne compte pas. Vivre sans argent, ou peu d'argent. Très peu d'argent. On arrive à très bien vivre petitement, tu vois, mais à la française.
Au début, je voulais pas de téléphone, je voulais pas de... Je refusais tous les signes de, d'argent. C'était pas des enjeux. Il y avait un tas de choses qui comptaient plus. Apercevoir Sartre qui passe à côté de toi, tu vois, au Bretin avec qui je causais. L'argent, c'est lié peut-être après la guerre, quelque chose comme ça. Il y avait d'autres choses plus dures qui comptaient, la guerre d'Algérie, les Algériens qui étaient tués, tu vois, il y avait d'autres choses plus importantes à l'époque. Et il y avait du coup, tu rencontrais beaucoup de gens, ou c'était cette amitié, ou la vie sociale est très importante à l'époque. On voit toutes sortes de gens différents, tu vois. Et là, tu les vois au café, dans les ateliers? Au café, je t'ai dit, je prenais mon café au Demago. On lisait le journal au Demago. Tu vois, on n'avait pas d'urgence financière comme aujourd'hui. On n'avait pas le... Il n'y avait pas la sécu, il n'y avait pas ce genre de choses. On n'avait pas d'obligation financière de ce type, tu vois.